L'objectif est qu'ils partent de ce camp indigne. Et beaucoup le disent, hein, que c'est vraiment un enfer d'y vivre. En plus, on est passé maintenant dans la période hivernale et objectivement, les conditions de vie sont absolument atroces. Et c'est dans les CAO qu'un examen plus poussé va être fait de leur situation administrative et notamment qu'on va regarder s'ils ont déjà été inscrits dans un autre pays sur l'asile.